Yo tout le monde, c'est Dragonite et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Random Nuzlocke sur Pokémon Argent Soul Silver. J'ai un peu remis la team à niveau et au final j'ai pris Spectrolo, le Ectoplasma, dans la team. Donc il a Lumique, Mégaphone, Feu Follet et Noderme. Je lui ai appris Mégaphone et Noderme, sinon Feu Follet et Lumique, il l'a appris naturellement. Lumique peut, avec Lumique, il peut faire très mal derrière avec Mégaphone et Noderme. J'ai mis les restes parce que pour quand il se place, pour pas prendre trop de dégâts. Et puis s'il se brûle quelqu'un avec Feu Follet, pour un peu stall. Sinon j'ai mis le reste niveau 56, je crois qu'ils n'ont rien appris, j'ai juste mis quelques petits objets. Voilà. Du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bah attendez, juste par curiosité, je me demande bien ce qu'il y a maintenant que... Non, il y a plus de vélo là-dedans. C'est juste pour voir, je voulais voir, mais non. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. On va aller... Là, aujourd'hui, on va faire tout ce qui est piste, cyclable et tout ça. Un peu après, c'est la dopale. Ouais. On va faire tous les dresseurs, hein, comme d'habitude. Attendez, avec ouais, ça va. On va mettre ces deux-là en premier s'il y a des combats durs. On l'a fait, ouais. Ah! Voilà. À Pyrène, ok. Au par contre, je vais un peu blesser le champ. Ouais, voilà. Faut que... Ouais, pour ça. Ah merde, on est brûlé. Ça va, il nous met rien. Mais la brûlure est un peu gênant, quoi. Ah, il avait qu'un poké. Merde. Oh non, numéro de bigot, mais putain. Mais c'est quoi, c'est beau. On a de l'antibrûle, moi. D'ailleurs, faudrait que je rachète des objets de soins. On les avait fait, ceux-là? Je me rappelle plus. Je les avais peut-être fait en... Oh, je sais plus trop. Ouais, bon bah on va faire ce duo. Torterra. Ok, bah ça va, le Torterra qui fait rien. C'est bon, mais à peu près bien placé. Merde. Et boule de neige. Ok. Ok, récupérer. Ah ouais, ça nous fait un peu de ça pour nous. Voilà, je crois qu'il en reste en haut qu'on a... Ah, combat double, cool. Putain, mais c'est vraiment la route des beaux. Mégaphone va toucher les deux. Et puis, on fait sortir. Ouais. Voilà. Et Lizarra. Il y en reste un poké. Ok, super mignon. Voilà. Attendez. Est-ce qu'on l'a fait lui? Non. Staros. Voilà. Déjà niveau 57? Ah merde, je voulais lui mettre le numéro. C'est déjà plus rapide que le mettre niveau 56. Pour qu'il soit niveau. Hein. Ok. Ah, on pouvait peut-être refaire un combat de boucle, mais c'est pas grave. Arco. Parfait, Mégaphone qui tue en un coup. Lui, je sais pas, j'ai dû l'esquiver. La fête la zone. Bon, on n'a pas fait ce dresseur là, mais on a fait la zone de mémoire. Ah oui, si je me rappelle, j'ai eu le temps. Où il y a Mandalis, on va switcher parce que c'est quand même un gros poké. Non, blague.
Vas-y, j'ai un peu envie d'utiliser Léviathan. Léviathan of the King. On va passer ici pour acheter des objets de soins. C'est toujours bon à prendre. On va aussi vendre quelques trucs. Ah oui, d'ailleurs, les baies. Oh, le con. Ça fait masse de temps, je crois que... Ouais, bon. Ok, on a plus de baies, mais pire, c'est pas grave. Les pangas. Bon, on récupère les baies. Hein. Ça peut toujours être utile. Ok. Alors déjà, on va vendre des trucs. Attaque plus. Ça se vend. La flûte rouge. Oh, attraction. On pourra jamais le suivre. Tiens, on a quelques lettres. Bon, bah, on les vend. Voilà. Les baies, non, ça se garde ça. Les grenades, quoi. Ouais. Bon, je vendrai ça après, à la limite. Sonic Boom, c'est nul. Cogne aussi, quand même. Je peux en racheter. Lame feuille, non, c'est bien. Écrase face, ça sert à rien. Étonnement non plus. Balance, non, ça sert à rien. Branche plus, non. Frénésie, non. Clairvoyance, non. Flash, je garde. Jeu de pierre, on vend. Ça sert pas à grand chose. Et voilà, c'est bon pour les CV. Ah mince, on a peut-être des objets normaux avant. Bah ici, le PV plus on peut le vendre. Si on garde de super bonbons, ça pourrait être pratique. Ok, on vend la pépite. Ça c'est un peu dur. Ça c'est inutile vu qu'au final je crois pas qu'on va pouvoir faire d'échange. Bon, ça un seul ça nous suffit. Électriseur pareil que les autres. Juste griffe, on en a deux. Bon, ça coûte rien mais au pire. Bon, non, je vais acheter maintenant. Où est-ce qu'ils ont... Ouais, c'est bon, ils ont des total soins. On va en prendre 10. Et on... Ouais, on va prendre des potions max, 7. Des guérisons, on prend une dizaine. J'aime bien à chaque fois prendre un peu de vie parce que genre si j'ai perdu pas beaucoup de PV, genre 5 par exemple, je mets une potion. Enfin, c'est plus pratique je trouve. Oh, j'ai pas une grosse voix aujourd'hui, mais c'est pas grave au pire. Voilà. Du coup, maintenant l'arène. Par où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Ça doit être par là. Attendez, on veut voir un truc dans la maison. Parce que je crois qu'il y a des... Ah oui, c'est la famille Aléo. Donc on s'en fout un peu. Ah, c'est bon. C'est pas Dani, mais je crois savoir à peu près laquelle est Dani. Donc déjà, on va faire tous les dresseurs, hein, je préfère. Je crois que c'est celle du milieu, celle-là, la vraie. Racaillou, ok. C'est un travelo, mais bon, pire, il fait ce qu'il veut. Quoi que c'est peut-être elle, la vraie Dani. C'est pas elle, en tout cas. Demande alors. Oh, capitaine. Et... Océan. Tiens, là j'ai presque pas perdu de PV, donc on va mettre une petite potion. Voilà, comme ça suffit et ça peut faire la différence à des moments. Ouais, bon, il en reste plus qu'une, donc la dernière c'est la vraie. Oh cool, il a craché du coup. Alors ça, on peut spammer les cascades, on va être sûr de tout tuer avec. Bon, de toute façon, c'était des copies qui prenaient super efficace. C'est forcément elle. Elle, hein. Ah putain, toujours la même. Noël. Elle de mémoire, hein. Je crois que c'est des championnes que j'avais plus facilité à battre. Plus de facilité à battre. Oh, Metalos. Je peux pisser. Ah putain, ça fait tellement longtemps de Metalos. Oh, je me rappelle le seul que j'avais eu quand il était mort. Presque.
coup, ça fait du dégât. Mais ça, ce que ça se trouve, c'est vachement rapide. Je pense que les crocs de speed a son petit peu spectre. Non, il a un double. Voilà. Lucio. Électrique ténèbres. Ouais, bon, je vais pas accélérer pendant le reste. Même si c'est assez long, ça gaffe quand même. Et persuant, tiens. Comme tout à l'heure. Voilà. Et un petit awesome ring. Je sais pas si ça va suffire. Non. Oui, mais... Ouais, bon, il faut faire ça. Vas-y. Il va pas mourir de la graine. Il risque de mettre des potions. Ouais, mais là c'est un peu chiant quand on accélère. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Co-crit est ok. Bad Ham. On direct toxique, mais en vrai ça va être. Ça va pas être direct toxique. Les gommages. Bon, ça serait bien. Franchement, on n'a pas trop de chance sur les CT en général. On a de la merde là. Ça change pas trop là. Voilà. Ouais, bon, on a quand même perdu un peu de PV, mais c'est normal pour une arène. On a fait les zones à droite, mais on n'a pas fait les dresseurs. J'aime bien faire les dresseurs, donc ça, c'est... Je trouve ça plus intéressant. C'est marrant si je perds un poké. Tiens, trop plus comme tout à l'heure à l'arène. Et... Oh, quoi que, attends, attendez, il est déjà un niveau supérieur au bout. On va plutôt envoyer du Castorno. Ah non, bug. Non, je peux pas faire ça. Voilà. Bon, ce qui est plutôt pratique maintenant avec les bugs, c'est que je clique, il y a plus de bugs. Mais... Léviator. Arcanin. Oh, c'est en vrai, le truc, il avait de bons pokés. Surtout le Arcanin, là on avait vu, je crois qu'il avait des bonnes attaques en plus. Enfin, je suis trop au final. Cristabri. Ouais, bon, ça va, il fait que se placer. Donc, ouais, bon, aéroplace, ça va, non, c'est clair. Pourtant, il a bien manché. Voilà, il est mort. À coup d'ambiance. Ouais, le mort. C'est encore un Pokéfan avec... Non, c'est bon, c'est pas celui... Il y en a un, mais je crois que... Oups, c'est bon, ça va. Je crois que c'est une... Ah! Je crois que c'est une route plus loin, il y a un Pokéfan avec une équipe de Pikachu... Enfin, dans la vraie version, quoi. Le truc, putain, je me... Ah, je me rappelle, c'était Cancer, son truc, c'est... Pikachu, ils avaient Static comme talent. Du coup, c'était presque toujours paralysé et... Oh putain, il fait le taf, franchement, ce morceau. Ok, on s'en fout, on a déjà fait la zone. Enfin, attendez. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai toujours un peu peur à des moments. Sur un vol, ok. Une aval. Ah, un petit peu, ok. Putain, il fait tellement mal le morse. Avec Bomber que... Il touche pas les aciers, mais puis Voltif super efficace. C'est vraiment sympa. Et lui, ça va. En plus, ça va, il prend pas beaucoup de dégâts à cause de cette grâce, plutôt, à ses gros PV. Ouais, bon, ça va, les Pokéks. Pas trop peur. Attendez. Ah non, je pensais que ça allait toucher tous. Voilà. Encore un numéro? C'était? Non, même pas. Ok, des. Oh, pyramide, super. Poison croix. Ouais. Bah, quoique je vais enlever fracasse-tête. Hein.
c'est beaucoup, 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 beaucoup trop dangereux. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est vraiment trop, trop, trop dangereux. Il y a beaucoup de risques de perdre quand même à cause de ça, donc j'aimerais bien éviter. C'est franchement un poké que j'aime bien. On l'a fait, lui. Oui. On dirait bien. Lui, je crois... Ouais. Lui. Ouais, on l'a fait. Lui. On l'a fait. On les a tous fait. Ok. Charthor, je ne sais pas. Et Mingal. Vache, le mec il avait des faibles niveaux, c'est bizarre. Oh cool, numéro de téléphone. Allo ma main. Ok. On dirait presque que je parle avec, je vois même pas pourquoi je fais genre. Ok. Enfin bref. Enfin bref. On l'a fait lui. Sérieux? Attends, je me rappelle trop pas. Bon, lui par contre, on l'a pas fait. Quoi? Si on l'a fait le mec full Pikachu? Sérieux? Attends, je me rappelle trop pas. Putain, on a fait masse de dresseurs. Ça, ouais, par contre, là, je crois pas qu'on en ait fait. Ah, Focus. Ok. Anti-Focus. La zone de plus. Ok. Il y aura le Ronflex à faire. On a, de toute façon, on a des Aguaflex et on a des... Et je crois qu'on a déjà fait la zone. Du coup, on va pas le prendre en Cura. Carabas. Ok. Il commence un peu à être blessé. On va le... Bah, vas-y, on va mettre Ectoplasma. Piu-piu. C'est quoi ce mec? Go. Ah putain, il a un fusil bon. C'est dingue, c'est contré souvent. Genre souvent j'ai trouvé des pokés avec torche quand j'essayais de les brûler quand j'XP. Donc genre malchance. Attendez, est-ce que là... Non, je pensais qu'il y avait deux routes, c'est bizarre. Mais au pire c'est pas grave. Oh, un Pidgeot. C'est un coup de pique. Lion et Gozatu, Megaphone, Gozatu, voilà. Oui, ça a du canon. Ah oui, avec tous ceux que j'ai tués, ce truc, Kignon, il a, vu qu'il y en avait sur la route victoire, c'est la bague de beaucoup XP. Le truc, il a Paresse et Aurore, ça, il a deux boules de soin, c'était assez dingue. Putain, mais le derbe est efficace sur rien ou quoi? Ça c'est normal pour dragon acier. Mais c'est quand même efficace sur rien, c'est dingue. Lavorville. Ok. Yep. Giratina. Ouais, bon, ça va, il nous fait rien. Nous, on fait que tout faire en ce moment-là. Là, par contre, Draco Souffle est assez relou, il pourrait nous paralyser. 58. Oui, il le fait. Et Manigone. Voilà. Le soin. Putain, la musique de l'avant-ville qui est vraiment pas rassurante. On a peut-être des dresseurs à faire dans cette route. Je sais plus. C'est pas grave. Ah, alors ma main. Ok. Y a pas de zone d'eau ici. Ok, je pense. Ok, déçu. Ici, par contre, on a des dresseurs à faire. Ouais. Je pense. Oh la dieu. On a même une zone à faire ici, je crois. Mais je préfère toujours être sûr, quoi. Désolé.
Roquefuite, on va aller voir dans le PC si on a à côté de la Roquefuite. Quand on va le tuer. Là, il est comme celui à la ligue. Ouais, on va aller voir tout de suite ça dans le PC. Donc, route 8. Mais de mémoire, non, je crois pas qu'on est allé faire cette zone. Alors. 5, 18, 12. Ça a pas l'air quoi. Bon, là, c'est principalement des pokés de auto, mais. Cas où, hein. Non, on n'a pas fait cette zone, ok. Bah, il nous faudra un poké avec coupe. Mais attendez, je ne l'ai pas déjà appris un poké. Ah oui, si. Ah. Soulant les bruits à côté, mais je crois qu'on l'a appris à lui. Ouais. On va aller faire cette zone. Bah, on n'avait pas une CT fauchage. Non, c'est bizarre. Ah non, je crois qu'on pouvait en acheter une. Ouais, bah on va mettre Exto. Bah je vois pas trop qui mettre en premier pour la 4. Non, y'a pas d'objet. Grolem, pas mal. Ah non, mais c'est un doux. On a déjà un Rakaï dans l'évolution. Et Oko, ok. Bon, c'est pas ouf. Comme je dis souvent, c'est toujours une zone. Non, je peux être moi. C'est tout le sort. Côté, on va peut-être plutôt y aller au Super Bowl. Ouais, parfait. Combat ténèbres, ok. On va l'appeler Clocher. C'est pas très original, mais bon. Hein. Clocher. Il a un double type sympa en tout cas. S'il a Coloforce comme talent, je... Non, j'aurais peut-être un peu. S'il a garde mystique... Ouais. Bah vas-y, un petit garde mystique. Non, ok. Ouh, il est modeste. Not bad. Ouais, boss. Il a piège, ok. Bah franchement, il peut... S'il apprend des steps, il peut être sympa. Enfin, je vais peut-être pas le prendre, mais... Bah quoi que je... Enfin, je verrai. Mais franchement, il me plaît bien. C'est assez original en plus comme poké, franchement, je suis assez content. Voilà. On met qui en premier? Electrode, tiens. Non, quoique, on va plutôt mettre Léviator pour éclater le ronflex. Bah, quoique, il y a aussi quelques dresseurs à faire. Bon, allez, Léviator va éclater les dresseurs et le ronflex. Comme toujours, un peu. Ok, 3 points. Oh, ce que je préfère toujours faire les dresseurs. Tardin. Hop, hein. Et Yanma. Voilà. Oh, il y avait des Kikléons. J'aurais bien aimé avoir un Kikléon seulement dans le sens où j'aime bien se poker parce que. Bon, Kikléon sans son talent protéin, ça vaut rien. Par contre, avec le talent de protéine, il est vraiment sympa. 58, ok. Ah, il est tout respect. Ah bah oui, c'est vrai, on en a. Ludicolo. Ah, putain, un peu sèche. Comment on se fait Counter Team? Terminé. Non, je pense qu'on a à peu près fait tous les dresseurs. Ouais, il y avait quand même des gros pokés dans la zone. Attendez, il y a peut-être un truc dans le fond, ouais. Carmin sur mer. Ah, il y a un objet. Bâton en pied. Ah, il y a une zone d'eau. Du coup, il y a peut-être des objets dans le coin. Attendez, on va mettre un repousse. Voilà. Je pense qu'il y a... Ouais, objet caché.
trucs bizarres en soi, ok. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'aille chercher le cherche-objet un jour. Mais bon, au pire, c'est pas très important pour l'instant. Voilà. Et du coup, on est à combien de temps? 25 minutes déjà? Oh putain, je me rendais pas compte. La Pokéflûte, c'est vers où en fait? Ah voilà. Voilà. Et le célèbre combat contre l'entrée. Ah oui, il est niveau 50 quand même. Alors, il résiste la cascade. Ultima Wafi! Bon, ça, on prend pas trop cher. Bon, force va sûrement finir. Parfait! Bon, Flex KO. Bon, il donne quand même pas mal de points de XP. Non, je vais pas mettre le Pokédex. Nouvelle zone. J'adore les nouvelles zones. Bon, franchement, là, on a vraiment des bons Poké dans le stock, comme Draco, Karsa, enfin, des trucs du genre, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des zones à refaire. Moonva, ok. Ah bah, on va pas faire ce folie, on va peut-être éviter. Du coup, on va le Hyper Ball. Bah, quoique j'ai envie de balancer la Master Ball parce que de toute façon on en a deux ce truc et je crois qu'il est vraiment dur à choper. De mémoire, il a vraiment un faible taux de capture, on peut pas la faire, on peut pas lui mettre un statut du coup. On en a deux, hein, de toute façon je vois pas à quoi ils peuvent nous servir. Du coup on le chope. Et le type. Ah, il était type psy, ok. Comment on l'appelle? Je sais pas, par contre j'avais vraiment aucune idée de son nom. Ah si, je sais. Putain, mais je suis con, moi. Mon artiste. Coco à toi. C'est un pote. Le J, où est-ce qu'il est? Le J, où est-ce qu'il est? Là. Mais normalement, Monja a toujours garde mystique. Il y a un... Enfin, ça a été fait comme ça, le randomizer. Je crois qu'il y a une option pour... Enfin, pour lui enlever, mais... Ah bah, par contre, on peut pas mettre le... Bon, désolé, mec, hein, mais c'est pas grave, au pire. Du coup, ouais, du coup, il aura forcément garde mystique. Ce qui est un bon talent, franchement, ça va. Enfin, là, c'est un peu désolant parce qu'il y a que moi qui rigole à mes blagues. Lettre mine. Oh non, me dis pas qu'il va falloir coupe pour passer. Oh. Oh. Je vomis, c'est pas un jeu toussé, vous inquiétez pas. Pin, pin, pin. Vas-y, je pense qu'il nous donne un truc lui. Ah, cendre sacré, ok. Carrément. Gizball. Bah. J'ai la flemme d'aller chercher un esclave à qui mettre coup du coup. Hein. Cinebras, du. Ouais, plutôt Cinebras. Quoi, je crois. Enfin, je l'ai fait un peu au hasard. Bah, bien sûr. Route 2, nouvelle zone, hein, ça paraît logique. Bah, d'ailleurs, on fait cette zone-là, on arrête l'épisode. Parce que... Ok. Ok. Pourquoi pas. On n'arrête pas de louper. Si la garde mystique, hein, comme je dis souvent, pourquoi pas. Ouais, voilà. Type dragon, ok. Oh putain, si la garde mystique, ça peut être vraiment sympa. On va l'appeler... je sais pas moi... On va l'appeler le... Je sais pas moi... No fight. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je pensais que c'est un animal de compagnie, il est pas censé se battre. Enfin bref. Marfeo. De ça. Bon, quoique, on va un peu continuer l'épisode, on va pas faire d'arène. Mais on va vite les passer à Argenta pour aller dans les pour aller dans le PC pour voir ah salut maman pour voir les natures talents et tout ça de nos nouveaux Poké. Bon, enfin Mouja forcément. Non, je veux pas faire le micro. Enfin Mouja c'est forcément garde mystique, mais l'autre je sais pas trop. Il est comme. Il peut mourir sur une attaque plus une brûlure, on va plutôt mettre le morse.
le morceau bébé. Attendez, c'est la forêt de Jeanne. Oh ouais non, c'est bon. Désolé, mais là j'arrête l'épisode, j'ai la flemme de faire la forêt de Jeanne. On l'a fait dans le prochain épisode, du coup j'arrête l'épisode là. Si celui-là t'a plu, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou vous abonner si c'est pas déjà fait. Enfin bref, salut tout le monde, c'était Dragonite.